Hello la petite team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau tutoriel, le premier tutoriel de l'année, puisque auparavant j'avais fait seulement mes vœux et un petit live de famille. Et donc c'est parti, on reprend les basiques de la chaîne. Ça fait un petit moment que je vous dis que je vais refaire des gourmandises et c'est 2018, c'est la bonne année. Je le vois. On se retrouve donc pour faire un petit cake géode ou géode cake. Donc, si vous n'avez pas vu, j'avais déjà fait une imitation d'améthyste. Je vous laisse cliquer en haut à droite pour voir tout en détail. C'est exactement la même façon de faire, sauf que je le fais sur un petit gâteau miniature, tout simplement. Vous allez avoir besoin, bien entendu, d'emporte-pièces, de pâte polymère blanche ou de couleur si vous le souhaitez, de la sculpée liquide et des petits déco ice. Et vous suivez tout simplement le tutoriel. Ça fait énormément de temps que je vais vous faire ce tuto et là c'était le bon moment. Donc là vous allez tailler des tout petits mini clusters pour mettre au-dessus de votre mini gâteau et sur les côtés. N'hésitez pas à utiliser de la sculpée liquide, ça vous aidera, ou de la bacon bond, comme vous voulez. Tout en douceur, hein. Il faut vraiment le chouchouter, votre petit gâteau. Hein. Et maintenant, vous passez ça au four. On va passer un tout petit socle. J'avais vu un tuto il y a au moins 6 ans qui faisait des petits socles comme ça. Si j'arrive à retrouver le lien, vous l'aurez mis en barre d'infos, mais pas sûr du tout que je le retrouve. Vous prenez donc un petit cure-dent que vous allez recouvrir de pâte. Vous faites un rond avec un emporte-pièce. Et voilà, vous avez fait en gros votre petit socle pour gâteau. Et bien entendu, vous rajoutez des petits ornements. Hein. Je vais pas... Faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien le faire tout simple. Ensuite, vous faites cuire tout ça. Une fois que c'est cuit, moi j'utilise de la glu pour coller le tout. Et là, je vais venir prendre de la peinture et faire des petits ornements. Ensuite, je prends un feutre graphite bleu. Et là, je vais venir faire l'effet. Donc de la géode et je prends mon Posca or et je vais venir faire les contours de la pierre. Je sais pas trop comment on peut vous dire ça et voici le résultat. J'espère en tout cas ce petit tutoriel vous aura plu, il est hyper simple, lancez-vous. N'hésitez pas à cliquer sur le petit rond là, vous voyez ma petite tête là, vous cliquez dessus, vous vous abonnez et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.